le rendez-vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition, la finale. Enfin, enfin, nous allons la vivre ensemble. C'est Hervé Matou, bien sûr, qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendue, avec une affiche qui promet beaucoup. Du spectacle, on espère. C'est toujours un moment à part de disputer une finale, bien sûr. On sent beaucoup de ferveur, une ambiance de fête, beaucoup d'espoir, bien sûr, pour cette finale, même si on a une chance sur deux qu'elle se termine avec des larmes. C'est parti pour 90 minutes. Ah, il est à l'interception. Complètement manqué son tir. La faute et l'arbitre qui se dirige vers le joueur, attention. C'est dégagé. Le ballon qui sort, touche. Ah oui, le soutien, ça peut être très dangereux. La tête, mais pas de soucis hein, dans les buts. Ça manquait de conviction.
Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ah, le ballon est perdu. Il est venu lui voler ce ballon. Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune ? De l'intervention de Chiellini. Ils sont à la récupération. Et ça part très loin avec ce dégagement. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Chiellini qui s'en sort bien, qui reste debout. Allez, peut-être une bonne occasion. Et le tir de Marcos. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Et la voilà la frappe. Qui s'écarte avec ce long dégagement. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. La seconde période de ce match. Et on se demande bien qui va pouvoir l'emporter. C'est très équilibré pour l'instant. Il dégage ce ballon. Ah, le ballon qui lui colle au pied. Ouais, la frappe. Ah, ça va rentrer, ça y est. On va regarder ce que dit l'arbitre. Thank you.
touche. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Et Chiellini qui récupère. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Avec un tir, le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Ouais, pas de problème dans les gants. C'est récupéré. Elle sort la trajectoire, pas de souci. Ballon capté impeccable. Ouais, elle gagne son duel. C'est dégagé. Le score qui ne bouge pas, alors que la fin du match approche, on sent que la moindre accélération. Reuss, ouais, c'est pour le gardien. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. De loin, peut-être de l'idée, mais c'est manqué. Encore 7 minutes à jouer. Bah, physiquement, il n'y est plus avec cette blessure. Il vient lui subtiliser le ballon. Ce ballon qui est dégagé, une touche dans les 30 derniers mètres pour Dortmund. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Attention, il lui a pris la balle. Une touche dans les 30 derniers mètres pour Dortmund. Anticipation sur cette touche. C'est terminé sur cette victoire. Elle l'a coupé tard. C'est fini. C'est fini à l'instant même, le Borussia Dortmund qui s'impose, 3 points. Finale et remporte la coupe. Énorme résultat qui vient couronner un parcours absolument fabuleux. Les deux formations le voulaient, ce trophée, mais il fallait profiter de toutes les opportunités. Il fallait serrer les rangs au bon moment, et c'est ce qu'ils ont réussi. Et ils sont heureux.